les sapeurs d'été pour moi. Bonjour, bonjour. Cette petite vidéo, parce que je vais refaire mes volets thermiques pour Kaweth. En fait, ceux-ci vont être destinés sur le toit de la cabine avant, qui est tout noir et qui attire énormément la chaleur. L'année passée, j'avais fait un essai, c'était mitigé. Donc cette année, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser ça et rajouter une couche d'isolant du côté alu. Là, je prends les mesures pour pouvoir chevaucher de 10 cm les deux parties. L'année passée, on a eu un été très très chaud. Moi, je mise cette année sur un été qui va être chaud, certes, mais plus. On verra bien. En attendant, moi, j'en ai assez de subir les assauts du soleil sur Kaweth, parce que quand vous entrez dans une cabine qui a 45 degrés, malgré quelques protections que j'avais mises, c'est étouffant possible. Donc là, j'ai pris mes mesures par le ruban. Donc là, ça va être le côté femelle que je vais mettre. Ouais. Je mettrai le côté mâle de ce côté-là, par-dessus. Voilà, c'est des rubans qu'on achète tout fait. Hein. On trouve ça dans tout ce qui est couture. Le côté femelle, je vais pas couper exactement à la dimension parce qu'on a toujours des surprises, je le ferai à la fin. Et donc là, ça je vais coller, et je vais coller avec de la colle à tissu Gutermann. Elle est excellente, cette colle, franchement il n'y a rien à redire. Vous attendez 7 minutes et puis vous collez ensemble, et normalement avec un petit fer à repasser, on repasse dessus, on maintient pendant une petite dizaine de secondes. Voilà, je fais ça à mon aise parce que moi, de toute façon, rien ne sert de courir, j'ai tout mon temps. Bon ben, il n'y a plus qu'à attendre, hein. C'est fait. Bon, je recommence au cas où mon micro n'aurait pas fonctionné, parce que je pense qu'il était éteint. Donc je dis 80 watts, non,
C'est au maximum tant il est sur height, il fait quand même 110-111 watts max. C'est ce qu'indiquait l'étoufflot. Le temps de bien appliquer le fer, très chaud, et franchement, bon, bah, ça a l'air de bien tenir. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour ce côté-là. De toute façon, je vous montrerai ça par étape par étape, et puis on verra bien. Voilà. Bonjour, alors hier je n'ai pas refilmé parce que je préférais avancer un peu plus vite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là voilà, maintenant j'ai découpé l'isolant qui est 9 couches pour mettre ça sur le toit de Kaweth. J'ai mis tout le tour de l'isolant, un billet que j'ai simplement collé et repassé avec le petit fer à repasser que vous avez vu auparavant. Alors, l'autre partie, hier j'ai avancé aussi, j'ai réfléchi et finalement j'ai mis un système de velcro pour fixer l'isolant. Parce que je me suis dit qu'avec le vent, ce serait mieux de mettre des velcro qu'un fermoir magnétique ou des pressions. Je pense que ce sera un peu plus solide. J'ai mis les 20 cm à peu près des velcro. Donc maintenant, il n'est plus qu'à fixer les velcros de l'autre côté. Mais enfin voilà, donc la couverture thermique est terminée. Cette partie donc là, sur le toit. Et ça va redescendre sur les côtés. Ça va couvrir en partie, quelque peu les fenêtres. Les fenêtres seront complétées avec les volets thermiques habituels. Hein. Soit je les mettrai à l'intérieur, soit je les mettrai à l'extérieur. De toute façon, ils seront maintenus par soit des velcro à l'intérieur, soit par la chaussette moustiquaire que j'ai installée sur les fenêtres. Il ne manque plus que de mettre des élastiques là, aux quatre coins. Alors donc c'est là le grand élastique noir là ici et ira s'accrocher sur la cabine arrière et là devant les élastiques iront s'accrocher sur les rétroviseurs. À l'inverse du côté où ce sera pas du côté aluminium, j'ai enfin reçu ils appellent un tissu, moi j'appelle ça plutôt un tissu plastifié. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais mettre ça sur ce côté-là. Bon ben j'installe le tout et je vous reprends. Hier j'ai oublié de vous montrer. Finalement donc j'ai bien mis les pressions. Hein. Et je vais donc procéder à la fixation de ce tissu plastifié finalement avec des fermoirs magnétiques. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre l'autre partie sur le tissu plastifié et on pourra donc compléter le fermoir. Je vais quand même vous montrer comment je procède, hein, parce que... Alors, pour éviter qu'il y ait un décalage, ce que j'ai fait, c'est que j'installe déjà le côté mâle dans le côté femelle.
Je mets bien les tiges bien droites là. Je mets par-dessus le tissu plastifié. Je vais bien tendre pour qu'il n'y ait pas de plis ou quoi que ce soit, ou que ça ne parte pas dans n'importe quel sens. Avec un crayon, je vais dessiner là où je dois faire deux petites incisions. Voilà. Ça aurait été mieux avec un crayon papier, mais enfin bon. Voilà. Avec cette toute petite paire de ciseaux, je vais faire deux petites incisions. Insérer les pattes dans les deux petites incisions. Mettre en cœur rondelle. Puis, écarter les pattes pour solidariser le tout. Hop, voilà. Donc, là, le côté mâle a été mis. Il va aller dans le côté femelle. Et franchement, ça tient nickel. Et voilà, il n'y a plus qu'à procéder pour les autres. Je me suis rendu compte que là, ça allait se retrouver du côté du toit en plastique. Donc avec les mouvements du vent, ça peut aller à gauche, à droite, tout machin. J'ai peur que ça raye bien le toit en plastoche. Et donc j'ai recouvert les petites attaches Bon, j'espère que vous m'entendrez parce qu'avec le vent, et comme je n'ai pas mis mes micros parce qu'ils bug une fois sur deux, donc voilà, j'ai mis donc la couverture thermique sur le toit noir de Gaouette. Et j'ai changé quelque peu en cours de route ces attaches. Je vais vous montrer tout de suite ça. Je vais faire le tour. Ah, ça c'est le côté droit. Et ça c'est le côté gauche, auquel j'ai enlevé l'antenne qui était vraiment gênante. Donc vous avez pu le constater, finalement il y a bien bien faire passer l'élastique noir par ici entre les deux cabines. Et ça n'allait pas parce que la couverture thermique, je ne l'ai pas encore pesée, mais elle doit bien faire un bon kilo et demi, descendait sans cesse. Donc je me suis rappelé que j'attachais mes auvents aussi avec le système des roues. J'ai étiré l'élastique au maximum jusqu'à la roue et j'ai fixé avec un crochet. Jusqu'à présent, ça a l'air de très bien tenir. Il y a un peu de vent. Et finalement, au rétroviseur, je vais mettre les élastiques. Mais ils ne vont pas être serrants. Ils ne vont pas vraiment être serrants. Ça, c'est une pince à linge que j'ai mis. C'est un repère pour donner 2-3 points de couture. Parce que si je les serre de trop, ils ont tendance à tirer et amener donc la couverture vers le bas. Bonjour Madame l'araignée, vous avez l'air de vous plaire sous cette couverture thermique. Bon ben voilà, Madame Gaouette a son chapeau d'été. Ma foi, c'est pas mal.
premier contact.